Et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier épisode sur Portal 2. Donc, Portal 2, c'est développé par Valve. Et c'est un jeu de plateforme, oui. Un peu de stratégie aussi. Et le concept est juste génial. Alors, c'est le deuxième opus de cette série. Le premier, j'ai juste joué à la démo sur la Xbox 360 et ça m'avait vraiment plu. Et du coup, j'ai acheté le 2 sur l'ordi. Hein. J'ai déjà terminé le jeu plusieurs fois. Et du coup, nous allons recommencer une nouvelle partie. Et quoi, chapitre 1. Les cinématiques sont très poussées, les graphiques sont magnifiques aussi. Temps de chargement a l'air d'avoir bugué, c'est cool. Non, ne me fais pas ça, mec. Portal, voilà. Voilà, c'est peut-être à cause du record que ça met du temps. C'est sans doute à cause de ça. Oui, ça lag beaucoup. Ok, mon ordi n'aime pas trop le chat. Le temps de chargement de Portal. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Ok. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Donc, mes touches sont bien réglées. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Ok. Voilà, le petit tuto qui fait plaisir. Bonjour. Votre cryostase a duré 9. Oula. 9. Ça bug. Comment on en fait ? Le centre d'enrichissement. Tout sujet vous comptez de test encore ouvrir la porte sera alors, je vais juste régler ce. Audio sous-titres. Sous-titres. Pourquoi les sous-titres sont en anglais? Je ne sais pas. Vidéo. Non. Mais je sais pas. Bonjour. Voulu demeurer en état de relaxation prolongée pendant toute la destruction du présent centre. Et pourquoi c'est option audio et sous-titres. Un sous-titre seulement. Qualité sonore, machin. Et bah je sais pas pourquoi. Alors pourtant dans mes premières parties le sous-titre est en français. Hein. Vous comptez ouvrir la porte parce que ça urge un peu. Entendre une version espagnole de ce message. Ah mais ouvrez la porte. Prendre un papier en tête. Oui. Ah oula, ah. Vous avez une mine affreuse. Superbe. Comment ça va
Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Je m'accroche. Non, je peux pas. Oula. Ça va de l'autre côté ? Qu'est-ce que tu fais, mec ? Vous m'entendez ? Eh oh ! Ouais, ouais, je t'entends. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Oui, c'est sûr. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que oui, vous arrivez à me comprends. Suivre ? Répondez juste oui. Je vois, non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites pomme. 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 Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Sur la laboratoire. Bon, écoutez, je voulais vous dire, c'est pas une chambre, ça, en fait. Je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté ? Ah bah tiens, ils sont passés en français, le... L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. What ? Non, 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 accrochez-vous, c'est un peu délicat. Bien sûr, qu'il est bien informé, moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit ? Mais oui, mais non, mais capte-toi. Alors, je te demande, ma chambre. Je vais tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser. 10 000 ? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose ? Je vais pouvoir passer ? Je vois, y a la place ? Bon, faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Pas bon au Tetris, toi, mec. Hein. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient des mille légumes ? Ah ! En zut, je rentre en plein dedans. Super potager, dis donc, ici. Pourquoi tu détruis vos chambres ? Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein, mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant, pas du tout mort. Ok. Ok, tout le monde on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Oh, j'attends. Boum. Bonne nouvelle, c'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. Ah oui, c'est très technique là. La technique du bélier. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous, au Moyen-Âge. Des trous de balles, mais vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? Une arme qui fait des trous. C'est donné, quoi. Bon. Et voilà. Je voulais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. Je vois pas mes pieds. C'est nul. Bon, alors. Allez, en avant. Bon, c'est là. Bonne chance. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivations afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1. Et voilà, portail. Le portail. Donc portail, voilà, c'est ça. C'est là, et un portail orange et un portail bleu. Quand on passe dans l'orange, on sort du bleu. Et quand on passe dans le bleu, on sort du orange. Et du coup, voilà, on peut se voir. Oui, nous sommes là. On tient... la radio par la télékinésie. On voit nos super chaussures. Il y avait plein d'hypothèses sur chaussures, la façon dont elles étaient faites.
sont comme ça en fait. En fait, vous verrez plus tard que ces chaussures, c'est des chaussures de la mort. C'est un peu comme dans Minecraft, celle que j'ai craftée dans Minecraft. Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. C'est les chaussures qui ne donnent pas de créature. Enfin, qui assurent que la créature a peu de chance de se produire deux fois. J'ai pris un cube, j'ai posé sur le bouton poussoir. Vous remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé la traversant. Par contre, moi je peux passer. En tout cas, c'est bien tout cassé ici. Hein. Pas très confiance pour aller dans un ascenseur alors que c'est tout pété. Le temps de chargement qui bug. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Merde, c'est problématique ça. Simplement émancipé vos tympans. Donc là on a un portail orange, et oui, et donc portal, c'est, il y a plein de salles comme ça, et chaque salle est une énigme. Donc là c'est simple, il y a des boutons qu'on appuie, hop, le portail peut se créer, du coup on passe dans l'orange, et voilà. Donc d'abord on doit récupérer le cube. Portal 1, il me semble que dans cette salle, les portaux se faisaient tout seuls. Donc là, on va sur le bouton. On pose le cube et du coup on appuie sur ce bouton pour mettre le portail à côté de la sortie. Bien. Et voilà. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Comment ça, la civilisation non reconstruite? Y a plus de civilisation? Je suis la dernière humaine? Non. Je me rappelle plus de cette histoire. La Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Ok. Le mec qui vient de mourir. Voilà. Un nuage tué de conscience. Hey, vous avez réussi. Oh, salut toi, Whitley. Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais et je le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez aller voir. Ça a bien changé par rapport au portail. Tout va bien, non, continuez, allez jeter un œil. Oui, pas très confiant. C'est ça, après les podiums, voilà. Ça, dans le podium, là. Tenez, allez juste, mettez-vous près du podium et levez les yeux. Levez les yeux. Wow, 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 wow. Eh oh ! Vous voyez le générateur ? Non. Et au fait, vous êtes en vie ? C'est important, oui. J'aurais dû commencer par là. Mais bon, c'est sûr. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça? Allez, on y croit. Ouais. Enfin, peut-être. Ouais, ça y est. Ouais. Alors là, on a des magnifiques dessins. Je résume un peu l'histoire de Portal 1. Donc voilà. Des scientifiques qui créent GLaDOS. Un robot qui... Sauf que le dos pète un câble et tue tout le monde. Et là il y a GLaDOS qui nous fait faire des tests avec le portal gun et qui nous fait croire qu'elle va nous offrir un gâteau. Et d'où vient l'expression The cake is a lie. Le gâteau est un mensonge. Parce qu'en fait au moment où elle nous offre un gâteau, elle veut nous envoyer dans le feu dans le portal. Voilà.
Là, c'est quand on réussit à la tuer, je crois. Et là, c'est chaud. Voilà. Du coup, on va récupérer le portal gun. Voilà. Et du coup, bah, on tire sur le gâteau. Pouf. Voilà. Clic gauche, on crée un portal bleu. Sur le gâteau. Et les portails, on peut les créer seulement sur les plateformes où il y a la place de mettre et où les plateformes sont blanches. Sinon on peut pas. Là on peut pas. C'est une grille, du coup ça passe à travers. Là c'est pas blanc. Là il n'y a pas assez d'espace, c'est assez de l'eau. Voilà quoi. Vous avez compris à peu près. Voilà. Hop. De l'horloge. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Le portail, ça fait. Ouais, le portail. Le porto. Ouais, et ça sera important à savoir pour les prochaines années. Je sais pas combien de temps de vidéo est-ce que je fais. On part sur du 25-30 minutes, je pense. Ah, c'est bien. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Du jazz. Deux portos à côté comme ça et on tombe dans l'infini. Oui, bon bah le cube, voilà, il tombe, hop, je récupère comme ça, voilà. Donc on allume le porto, la salle numéro 4. Alors là ça devient déjà un petit peu plus complexe, j'ai la caméra dessus, j'arme déjà. Voilà. Tac. Non. Voilà, caméra aussi. Beau travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. Boum. Il y a des petites salles secrètes comme ça aussi. Il y a un chat avec une mine. Yeah, un petit peu. Bon, bref, je reprends un super caméra. Parce que oui, je recorde, j'ai besoin d'une caméra. Non. Je gâche mes rêves. Je m'en fous, je vois rien. Connard. Oh là là. Oula, petit didou, didi, pratidou, didou. Vous les amis, je ne vous dénire jamais. Du coup, on arrive là. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Non, non, il y en a qui marchent plus vite. Je crois qu'ils sont totalement pétés. La nature refuse les pouvoirs. Salle 5. Et ça y est,
On arrive dans du beaucoup plus complexe. Enfin, beaucoup plus complexe. On arrive dans du plus complexe. Le bouton qui fait ça. Ok, il faut que je récupère le cube. Le cube, je le pose là. Voilà, du coup, ça ouvre ça. Hop, 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 hop. Ce cube. Enfin, ce bouton. Ça, celui-là il fait tomber le cube comme ça, comme ça, voilà, c'est magnifique. On récupère ce cube, voilà. Bravo, le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Ah, ok. Ah, ça, c'est pas beaucoup, 1,1 volt. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. C'est plein de phrases, les gars. Bonjour, c'est ma nouvelle webcam. Moi... Ah oui, ça, j'ai toujours kiffé ça, les lois de la physique dans le portal sont tellement bien gérées. Vous voyez, plus on rentre vite, plus on sortira vite. Tout simplement, si on saute de haut, on va retomber loin. Et c'est pareil pour tous les objets. Du coup, hop, petite caméra. La caméra de l'extrême. Putain, je vais faire comme dans Minecraft, m'accroupir pour pouvoir pour ne pas tomber. Hop. Hop. Ouais. Hop, le cube maintenant. Ouais. Maintenant, à mon tour. Ouais. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. Ok. Donc je suis l'avenir. Hop, la caméra. Alors, tout d'abord... c'est toujours une histoire de... Cette fois-ci, je place celui où on part. Je propose de... Boum. On a notre cube. Ok. Non, ma caméra. Wow. Mais non. Et... Bon. Mais c'est passé, oui. Voilà. Quoi, quoi, voilà. Yolo. On est là. Toi tu rien avec nous. On est balancé là-haut comme ça. Non, 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 la caméra. Du coup. Votre découverte être l'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test.
En gros, si tu es une sous-race, va chercher quelqu'un d'autre. Bon, allez, encore une salle. Alors, ça dépend, c'est quoi la salle? Ok. Merci, sous-titre. Allez, dernière salle, après on arrête. Ouais, salut. Formidable! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail! Comme quoi, c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est ouais. Pas beau quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. C'est simple, placez un portail sur le mur derrière moi et retrouvez-moi de l'autre côté. Eh ben non. Non. On va se laisser là. Lancez un petit portail juste là, d'accord? Derrière moi. Coup, et franchissez-le. Minecraft me regarder comme ça. Là, oui, là. Juste derrière moi. Voilà. Bon. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Derrière moi, d'accord? Donc je vais tourner le 2 ou 3 à la suite, je pense. Et du coup, on se dit à la prochaine. Derrière moi, sur le mur, de Portal 2. Allez. Au revoir.